Ben, la paix, si vous voulez, c'est ce à quoi nous aspirons tous, ne serait-ce que dans notre pauvre métier de cinéma, car là aussi il y a la guerre dans le cinéma, donc la paix n'est pas proche parce qu'il y a la lutte entre les grands commerçants qui méprisent le public et les artistes qui cherchent au contraire à informer le public de tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Alors, sur le monde, la paix, tout le monde y aspire, et actuellement, que ce soit l'Ukraine, dont je suis un peu proche puisque je suis d'origine slave, que ce soit la Centrafrique, que ce soit la Syrie, ce sont évidemment des lieux où tout a flambé et où il y a des révolutions qui sont en cours, après les révolutions tunisiennes, qui ont abouti quand même à une paix relative, puisque les femmes ont obtenu des avantages. En Arabie Saoudite, il y a plein de gens qui se battent pour avoir une espèce de paix, je dirais une paix entre les hommes et les femmes, plutôt qu'une paix, parce que là-bas, il n'y a pas de guerre pour le moment, mais je veux dire, il y a tout de même cette lutte où les femmes ne peuvent pas conduire, ou etc. Donc, il y a nécessité, si vous voulez, d'arriver à un accord. Que des lois passent qui soulagent un petit peu toute cette population qui vit un peu d'une façon féodale. Ensuite, il y a l'Iran oui, qui est un petit peu dans la même situation, il y a l'Égypte maintenant. Donc, quand on voit tout ça, on se dit à quel moment, je ne parle pas du Chili, de Venezuela, où il y a énormément de problèmes en ce moment. Alors, il y a des pays qui arrivent, comme l'Irlande, l'Islande, ces pays-là, plutôt les pays nordiques, qui se pacifient, qui sont plus pacifiques que les autres, bien qu'ils, pas parce qu'il fait froid, mais parce qu'on ne sait pas, ils ont une mentalité un peu différente. Donc là, on arrive, et encore actuellement, il y a une lutte entre l'Écosse et l'Angleterre au sujet de la livre. Bon, vous voyez, partout, les individus finissent par se battre. Alors, la paix, c'est la colombe. Alors, on envoie ces colombes chaque fois qu'on peut, on essaye de faire d'amener les gens à pacifier entre les partis, entre l'opposition et le gouvernement en place, mais ça ne se passe pas toujours très bien, parce que, en fait, les gens qui sont en place ont une petite avance sur l'opposition, parce qu'en fait, entre opposition et gouvernement en place, il y a une espèce de relation entre, disons, 55 et 45 ou 60-40. C'est-à-dire, d'un côté, il y a 40% des gens qui sont contre, qui veulent avoir des nouvelles lois, qui veulent justement accéder à cette paix. Et surtout, le racisme, si vous voulez, qui se développe dans certains pays. On voit aujourd'hui tous ces musulmans qui sont persécutés en Centrafrique, on les tue, etc. Ça a existé aussi en Serbie, en Herzégovine. Dans ces pays-là, si vous voulez, les Serbes ont chassé les musulmans. Alors, ils sont passés la frontière sans papier, sans rien. Ils ont été plus que des immigrés, puisqu'ils n'avaient même plus de papier. Par conséquent, cette paix qui existe dans certains pays, par exemple dans la Vallée Heureuse, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est un endroit formidable aux Indes, où les gens vivent une vie idyllique, parce qu'ils sont toujours en paix. C'est des pays que l'on devrait citer en exemple. Il y a quelques pays qui s'en sortent, où la paix règne. Mais sur les, je crois qu'il ben, y a plus de 54 nations, je crois, je ne sais plus combien on les a comptées une fois. Récemment, j'ai assisté avec Fabius, il a organisé une grande soirée pour la peine de mort. Alors ça aussi, c'est un grand problème qui jouxte la paix, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il reste quand même 53 pays qui appliquent toujours la peine de mort. Donc nous sommes en train de lutter pour essayer de persuader ces gens-là d'abandonner la peine de mort. Et, vous voyez, alors déjà, la peine de mort, c'est un motif de discorde, déjà, parce qu'il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc pour avoir un pays calme, où règne une paix extraordinaire, ben, il faut chercher sur tous ces pays, plutôt des pays comme la Suisse, comme je vous dis, les pays nordiques,
certaines colonies françaises comme Tahiti, des choses comme ça, la Réunion, des pays qui, encore en Réunion, il y a eu encore des scandales récemment, enfin il y a eu des. Mais il y a certains pays qui arrivent à vivre en paix. Même aux États-Unis, je connais bien les États-Unis, il y a des États où tout se passe bien. Il n'y a pas de problème, on n'en entend jamais parler. Puis vous avez d'autres pays comme le Texas qui ont des problèmes. Alors il y a toujours le vieux problème du racisme entre les Noirs et les Blancs. Mais c'est très difficile. Déjà en Afrique du Sud, Mandela a été l'un des artisans de la paix. Mais je suis, moi, j'ai fait une émission de télévision où j'ai fait scandale parce que j'ai dit, Mandela, on dit tout simplement qu'il a passé 27 ans en prison, on considère que c'est normal. Alors qu'aujourd'hui, on essaye de sortir des otages, on essaye de sortir Florence Cassé de machin, on y arrive. Et ce pauvre Mandela, on l'a gardé 27 ans en prison sans qu'aucune association internationale ne se soit inquiétée de le faire sortir. Et c'est ce que je dis, mais vous ne pouvez pas idolâtrer Mandela après l'avoir laissé 27 ans en tôle. Parce que c'est absolument inimaginable qu'un homme comme ça, qui a essayé de supprimer l'apartheid et donc de créer une paix dans ce pays, eh bien, ce pauvre Mandela, on l'a laissé 27 ans. Moi, je ne sais pas si j'étais pas en âge de faire une action à ce moment-là, mais je ne vois pas comment l'ensemble des nations, étant au courant de cet emprisonnement, n'a jamais fait quelque chose pour le sortir. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des tentatives, mais apparemment, il n'y en a pas eu, puisqu'il n'y a eu aucun résultat. Il est resté 27 ans en prison. Alors, après, on dit, ah ben, il était formidable. Alors, quand il sort de prison, il est évidemment diminué. Il a encore pu faire des choses entre la sortie de prison et sa mort. Mais maintenant, on l'idolâtre, alors qu'on l'a laissé crever dans sa prison. Alors, c'est pour ça que quand on regarde la paix, on peut penser aussi à Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage, mais le résultat, c'est qu'on l'a assassiné. Je ne parle pas de Kennedy, dont l'assassinat est moins explicite. On ne sait pas si c'est la mafia ou si ce sont les sudistes qui l'ont fait tuer. Je ne sais pas. On ne sait pas qui c'est qui l'a assassiné, celui-là. Mais encore quelqu'un qui voulait changer quelque chose. Donc le problème de la paix, qui est notre discours aujourd'hui, ben, c'est que la paix ne peut venir que si un espèce de messie, qui est donc un chef de gouvernement, qui arrive à faire des lois qui apaisent les conflits entre les gens. Alors, ça arrive dans certains pays que la population vote pour ce sauveur, pour cette espèce de, comment dire, d'arbitre qui va permettre aux gens de s'entendre et donc de vivre en paix. Mais c'est pas un dictateur, donc c'est automatiquement quelqu'un de sain, d'humaniste, etc. Mais regardez Luther King, par exemple, lui aussi a été assassiné. Alors finalement, on se demande comment on peut en sortir, étant donné que chaque personne qui veut se rapprocher de la paix, mettre les gens d'accord, eh bien, soit il se fait assassiner, soit on ne l'écoute pas, soit il est destitué par d'autres, etc. Donc aujourd'hui, le problème de la paix, on se dit, bon, là c'est fini. Alors mettons que l'Afrique, ça se termine. Je ne vois pas comment. Mais en admettant qu'on épuise ce problème et qu'on arrive à s'en sortir, au Mali ou en Afrique, eh bien, il va éclater quelque temps après, par une espèce de contagion, un autre pays qui va dire, merde, ça s'est arrangé là-bas, mais il faut qu'on fasse encore de la merde pour que ça s'arrange chez nous. Donc on ne sait pas quel est le pays qui va réagir une fois que un pays se sera calmé, si vous voulez. C'est pour ça que ce problème de la paix est un problème extrêmement grave qui doit provoquer souvent des révolutions, parce que tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre, ben, il est évident que ceux qui ne sont pas contents de l'état des choses vont réagir. Et ça provoque des morts, des manifestations, des déportations, et l'arrivée de pays totalitaires qui essayent de tenir en main la fortune du pays. Et surtout dans les pays où aujourd'hui les matières premières deviennent capital, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis en rapport en ce moment avec
J'ai été président de la soirée de la Mongolie, où on m'a demandé de choisir. Il y avait un prix, bon, un prix pour la Mongolie qui a donné un prix, donc j'ai été président du jury. Et je me suis retrouvé en face de Mongols que je ne connaissais pas, qui est un pays aussi, un pays un peu particulier, où règne une certaine paix. Mais on ne comprend pas. Maintenant, ils ont découvert de l'or, des diamants, du platine. Ce sont des gens qui, au départ, n'étaient pas riches et qui deviennent riches. Et maintenant, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont se déchirer parce que, à cause de ces nouvelles fortunes? Ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, puisque l'Arabie, c'est évidemment le pétrole. Alors, il y a des pays comme la République d'Oman, sur laquelle j'ai fait un film avec un collaborateur qui a fait un très joli film sur la République d'Oman, qui a la curiosité d'être une espèce de pays relativement socialisant, c'est-à-dire où les gens sont bien traités, encore un pays en paix. On peut considérer que c'est une Suisse arabique. Et là, il s'est passé ceci, c'est que le sultan était un ancien paysan, c'est-à-dire ils ont nommé, au lieu de prendre un sultan qui était, si vous voulez, traditionnellement un sultan, une espèce de roi, de sultan un peu totalitaire, etc., ils ont nommé un sultan qui était du peuple. Donc lui, il est arrivé, si vous voulez, comme Viva Villa à l'époque au Mexique, il est arrivé à pacifier ses concitoyens en leur donnant un peu de la richesse du pays, ce qui fait qu'ils sont arrivés à une espèce d'équilibre. Et pour le moment, la République d'Oman a eu, si vous voulez, avec Sarkozy, c'est eux qui ont aidé à libérer des otages. En fait, ils étaient très, comment dire, très conciliants, très pacifiques, très. Mais c'est quand même dans l'Arabie un des seuls pays où c'est comme ça. Madagascar, des pays comme ça, sont beaucoup plus suspects au point de vue, que ce soit le Bangladesh, tous ces trucs-là, il y a encore beaucoup de tensions là-dedans, la Birmanie, même aux Philippines, en Malaisie, il y a toujours des groupes d'opposants, ça ne s'est pas du tout arrangé dans ces pays-là. Alors on peut parler de la Chine aussi, mais qui s'ouvre un peu, parce que maintenant les gens ont des voitures, bon, c'est plus du tout. On a l'impression que ce grand pays va peut-être arriver à une certaine paix depuis qu'on vient d'annoncer que les camps, les fameux camps où on mettait les gens qui protestaient contre le régime, vont être supprimés. Alors, c'est une nouvelle que j'ai appris l'autre jour. Donc il y a dans ce grand pays qui est immense, et qui est un des pays les plus peuplés, sinon le plus peuplé du monde, il y a aussi un désir d'accéder à une paix. C'est-à-dire les gens ont des voitures, commencent vous voyez, à vivre normalement, après des années d'esclavage et de répression. Alors, on arrive à ce résultat, c'est que la paix commence à venir dans certains pays. Et peut-être par contagion, les pays frontaliers de ces pays qui ont trouvé la paix vont peut-être accéder eux-mêmes à une paix. Mais regardez aux Indes, par exemple, cette femme qui lutte, qui était en prison après la sortie. Et ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, c'est que beaucoup de femmes se sont investies dans ce désir d'obtenir une paix. Une espèce d'entracte, si vous voulez, au combat, à l'opposition, etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont leaders de ces mouvements. On s'aperçoit que les femmes ont pris. Et si on réfléchit bien, si on rentre dans l'histoire de la femme, et l'histoire, c'est quand même une femme, une Anglaise, qui a permis aux femmes de voter pour la première fois. Donc, vous voyez. Il y a eu quand même maintenant, dans certains pays, ce sont des femmes qui dirigent, souvent, ce qui est curieux parce que c'est une nouveauté quand même. Et peut-être qu'elles, compte tenu qu'elles ont ce côté maternel qui leur est inné, peut-être qu'elles ont envie, si vous voulez, de cette paix plus que les autres. Alors, on peut. Voilà, elles ne veulent pas que leurs enfants soient tués dans des guerres fratricides, etc. Donc, je ne sais pas, en Tunisie, on vient de faire des statues pour les femmes
qui n'existait pas. Bon, il y a quand même un petit progrès. Alors, plus il y aura, si vous voulez, de lois cassant tout ce qui est esclavage, on se rapprochera de la paix. Alors, combien de temps ça prendra? Quels sont les pays qui arriveront à cette paix tranquille où les gens qui sont opposés le seront d'une manière pacifique et non pas par des référendums, mais pas par des coups de mitraillette et des attentats islamistes, enfin, des attentats de kamikazes, parce que là, c'est vraiment tuer des enfants et dans des marchés, tout ça. Je comprends leur motivation. Ils veulent faire bouger les choses, mais on peut les faire bouger autrement qu'en tuant des civils. Si vous voulez, tout ça, c'est difficile à gérer. Je ne sais pas, moi, j'ai 80 ans, donc je ne sais pas si je verrai d'autres pays retrouver la paix. Peu à peu, on y arrive. On y arrive en Espagne, le départ de Franco a énormément aidé les Espagnols à se retrouver, parce que aussi sous le régime de Franco, moi-même, mes films ne pouvaient pas passer en Espagne. Si vous voulez, il y avait une censure. Aujourd'hui, la censure signifie que le pays n'est pas libre. Parce que qui dit censure, dit en même temps que le gouvernement ne veut pas qu'on parle de certaines choses. Or, aujourd'hui, dans un pays, on doit pouvoir parler de tout. De tout. Et à partir du moment où un gouvernement interdit à des cinéastes ou à des artistes, quels qu'ils soient des écrivains ou des gens qui font des émissions de télé, etc., si on leur interdit de dire des choses, ça veut dire que la paix n'est pas au rendez-vous. Vous parlez beaucoup aussi de l'homme et la femme, que cette paix soit entre l'homme et la Mais femme, oui, entre parce que l'homme. déjà au départ, il y avait une lutte. Alors, on ne parle pas aujourd'hui C'est de magnifique. la paix des ménages. Alors, la paix des ménages, quand on nous annonce que toutes les 3 minutes ou toutes les 5 minutes, une femme meurt sous les coups de son compagnon, évidemment, ce n'est pas un signe de paix, ça. C'est-à-dire que déjà, à l'intérieur des ménages, la paix n'existe pas. C'est-à-dire, on n'arrive pas à pacifier, si vous voulez, la passion ou la jalousie. Parce qu'en fait, d'où viennent tous ces problèmes? C'est qu'un homme et une femme, aujourd'hui, et les statistiques le prouvent, divorcent, 50% des gens divorcent. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que moi, quand j'ai débuté dans ma vie, je ne voyais pas ça. Je voyais 10-15% des gens qui divorçaient, mais pas 50%. Et je connais des avocats qui me disent, nous, maintenant, notre boulot, c'est de faire des divorces, et on en a 3 fois plus qu'avant. Et de la même façon, cette paix entre les homos et les hétéros, c'est-à-dire le mariage pour tous, est devenue aussi quelque chose de bizarre, parce que là aussi c'est une guerre qui s'est terminée par le vote de la loi, mais ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que ces couples qui viennent de se marier et d'obtenir avec difficulté le droit de se marier, ils divorcent. Parce que c'est les premiers divorces ont été annoncés entre gays. Alors, ça devient, si vous voulez, un petit peu, comment dire, ubuesque, parce que ça devient ridicule. C'est-à-dire, finalement, on lutte pour quelque chose et après, cette chose, on l'utilise pas, en fait. L'éducation à la paix, nous, on s'est dit que si on les prenait tout petits pour leur expliquer certaines choses. Oui, mais on ne peut pas. Alors, je vous expliquais aujourd'hui, Vincent Peillon a eu l'idée de faire des dessins. Voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui la polémique, encore une fois. Des dessins sur la sexualité à des enfants de 4 ans. Vous vous rendez compte? Alors, ils en sont là. Mais le problème, c'est que moi, toute ma carrière, j'ai fait des films pour les enfants, parce que je me suis dit. Si je dois apprendre des choses à quelqu'un, c'est bien aux enfants. Les adultes, ils les savent, ces choses dont je vais leur parler. Eh bien, mes films ont tous été interdits aux moins de 18 ans, pendant 20 ans. Ce qui fait que, comme je faisais des films pour les enfants ne les voyaient pas. Ils les voyaient à partir de 18 ans. C'était trop tard. Donc, tout ça est un petit peu absurde. Et cette paix, je pense qu'elle viendra de quelques dirigeants qui ne sont pas des prêtres, mais qui sont des prêtres laïcs, en fait. Ils sont des espèces de. Ils n'ont pas, ils,
n'ont pas fait vœu de chasteté, ils sont pas... mais dans la vie, ils essayent de raccommoder les gens, de raccommoder les ethnies surtout, parce que ces gens qui se tuent à coups de manchette parce que l'un est comme ça, l'autre n'est pas comme ça, c'est primitif. On voyait ça dans les films de Tarzan à l'époque, enfin c'était... Et on voyait des sauvages avec des signes sur le visage, avec des peintures sur le visage, qui tuaient n'importe qui, avec n'importe quoi. Et pourtant, c'était il y a des années, et maintenant, on en est toujours là. Ils se battent tout le temps. Il n'y a personne qui est là. Le Rwanda en est un exemple extraordinaire, le Rwanda. Il y a eu je ne sais pas combien de morts là-bas. Et personne n'a arrêté ça. C'est-à-dire... Personne n'a été foutu d'arrêter ce massacre horrible de ces gens qui se coupaient la tête, les bras, tout ça. Mais ça paraît quelque chose d'énorme. Mais les pacificateurs sont très peu nombreux. Déjà en écologie, Nicolas Hulot est un des rares à essayer de faire quelque chose. Mais même dans un autre domaine qui est l'écologie, le réchauffement de la nature, tout ça, il y a également peu de gens qui sont susceptibles d'arrêter tout ça. Et la paix, si vous voulez, les hommes de paix, et je ne sais même pas si le pape et des gens comme ça, parce que pendant la guerre, le pape n'a pas empêché le génocide. Donc on se dit que même des autorités religieuses comme le pape ne peuvent rien faire. Ils sont là, la Syrie, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est là, il dit il ne faut pas. Mais son influence, c'est un type qui est quand même... un des plus influents du monde, ben, il ne peut rien faire. Il peut dire la bonne parole, mais il ne peut pas, si vous voulez, pacifier. Alors même on ne l'écoute pas. Donc qui peut aujourd'hui pacifier le monde, qui sait comment, quelle est le, si vous voulez, la façon de pacifier le monde, qui sait qui peut le faire, le bon Dieu. C'est le seul, et on ne sait pas qui c'est. Donc si vous voulez... Je sais que moi, dès que je vois un enfant qui saute sur une bombe antipersonnelle, des trucs, je vois il n'a plus de jambes, etc., je trouve ça horrible. Horrible. Je ne comprends pas comment on peut mettre des bombes pour des enfants. Les gens marchent sur une bombe, ils n'ont plus de bras, plus de jambes. C'est quelque chose d'horrible. Alors celui qui fait ça, c'est celui-là qu'il faut convaincre. Celui-là qu'il faut convaincre de ne pas le faire. Mais où est-il? Qui est-il? Pourquoi agit-il? Alors, agit pour avoir la paix. Donc, il fait la guerre pour avoir la paix. C'est assez paradoxal. Car la plupart des gens luttent pour entrer en paix. Mais ce combat pour la paix fait qu'il y a énormément de morts. Si vous aviez un souhait à formuler, ce serait quoi par rapport à ça? Ben, que dans chaque pays, quelqu'un puisse écouter... Et au moins, si vous voulez, écoutez, j'allais dire un évangélisateur, parce que ça, c'est un mot que j'aime pas trop, mais que des hommes de bonne volonté essayent de persuader ces ethnies. Mais comment? Il faudrait trouver une astuce pour essayer de faire comprendre à ces gens qu'il y a un autre moyen d'y arriver, parce que ce sont des brutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une brute? Il faut essayer de le calmer. Et est-ce que ces gens existent, je dirais? Parce que la plupart, si vous voulez, vendent des armes, prennent de la drogue, de l'ivoire, je ne sais pas quoi, et des trafics énormes. Et finalement, ils se servent de ces pays pour prendre des bénéfices plus que pour les pacifier. Alors, quelles sont ces espèces de, comment dire, de missionnaires, en fait, laïcs, qui pourraient pacifier tous ces gens, leur faire comprendre? Alors, quand c'est des petits pays, on y arrive plus facilement. Je vous disais, l'Oman, par exemple, ça s'est pacifié tout seul parce que le territoire n'était pas très grand. Le sultan, on l'écoutait parce qu'il était un homme du peuple. Mais à partir du moment où il y a des familles comme ça régnantes, il y a tout de suite une méfiance du citoyen devant ces familles richissimes. Ben Ali, là, le type de Tunisie, là. Et ils prenaient de l'argent, je ne sais pas ce qu'ils... tous ces dirigeants se sont comportés très mal, ils ont pillé les caisses, alors finalement le peuple,
Ils n'ont pas essayé de pacifier du tout. Viennent ces bienfaits qui pleuvent désormais du haut du ciel, danser les paroles neuves, fêter tous les jours Noël. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot. C'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde nouveau.